Alors juste une petite vidéo claire pour vous raconter un bon plan. Donc le bon plan, c'est comment avoir des pinceaux ni trop onéreux. Parce que MAC, Makeup Forever, Sigma ou Benefit, etc. Merci, c'est un peu cher quand même. Même quand on gagne sa croûte, la vie c'est dur, c'est cher. De bonne qualité quand même, hein, c'est pas parce qu'on paye comme de la merde qu'on doit avoir de la merde. Hein. Qui ne s'effrite pas et qui ne perd pas leur poil. Merci, c'est sympa. De toute façon, il faut s'habituer à perdre des poils parce que votre mari perdra ses cheveux. Donc, ce 3 en 1, donc pas cher, qui perd pas ses poils et qui sont quand même de bonne qualité. Et évidemment, pas acheter sur un site. Parce qu'il faut attendre 3 semaines pour avoir un paquet. Et ben voilà. Tu sais pour moi? Et ben oui. Voici ces petits pinceaux qui sont une merveille. Qui sont tout petits, vous pouvez voir, hein, ça fait la taille de ma main. Faut pas croire, hein, la moitié c'est du triplage. Emma, voilà, Emma, tout simplement. Je vous montre. Je sais pas si vous verrez parce que ma cam ne fait pas, pas mise au point. Mais voilà, des tout petits pinceaux made in Emma. Donc un énorme clin d'œil évidemment à XBB, sinon ça ne marche pas. Qui m'a fait découvrir justement donc ce magasin. Emma, pour ceux qui ne connaissent pas et qui sont en France, je tiens à le préciser, je ne sais pas s'il y en a en Belgique, en Suisse, etc., je crois, mais surtout en France. Il n'y en a que deux. Il y en a un à Châtelet-Les Halles et au centre commercial de Rosny. Donc ce sont comme des espèces de monoprix, beaucoup plus restreints, puisqu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'alimentation, c'est vraiment plus de l'accessoire. Et donc à prix évidemment vraiment vraiment réduit. Chose qu'on n'est pas habitué, nous Français, hein, parce que la vie est tellement chère. Donc voilà pour vous montrer donc la différence des pinceaux que j'ai pu acheter. Les voici. Voilà, voilà vraiment chacun des pinceaux. Et après, donc là, c'est que du triplage. Donc vous avez un applicateur et estompeur, un estompeur, ou un flouteur, ou un fluffy comme vous voulez, un pinceau pour les lèvres, mais que moi j'utilise pour le bas de l'œil, en fait, pour faire un tracé vraiment très net. Hein, j'ai déjà fait tout à l'heure pour vous montrer. Voilà, ça fait un tracé nickel, donc je me sers pas vraiment pour les lèvres, mais j'en voudrais un, donc je vais en racheter un. Un pour faire le contour de l'œil, je trouve, pour vraiment les matières très sombres, c'est très sympa. Et évidemment, cela va de soi, un petit éventail qui est trop mignon, il est tout petit. Tout petit. Et donc voilà, vous me direz, ce sont des pinceaux synthétiques. Évidemment, ça va être du naturel. Parce que prix où je les ai payés quand même, je crois que chacun des pinceaux m'a coûté environ moins de 3 euros. Peut-être même 1,05 €, 2,50 € et 3 euros, je crois. Donc voilà. Voilà ce que peut donner des petits pinceaux. Je les ai depuis environ, toc toc toc, depuis environ 5 mois. Je les utilise pour mes maquillages externes au travail. Externes au travail. Et honnêtement, j'en suis pas déçue. En plus de ça, ils font très pro, je trouve. On dirait des mini pinceaux MAC ou make-up, mais en tout petit. Donc je trouve que c'est très pratique. C'est très ressemblant et donc ça trompe pas mal de gens. Donc voilà les filles, mes pinceaux à moins de 3 euros chaque. Bah en gros, là j'en ai 15, donc ça ferait environ. Ouais, voilà. J'en ai peut-être eu pour 30, 40 euros. Bah, c'est le prix d'un Mac. Bon, et en attendant, je tiens bien à préciser que c'est en attendant d'avoir l'argent pour m'acheter du Mac ou du Make Up Forever. C'est vraiment en cas de secours. Je trouve qu'ils travaillent excessivement bien les fards à paupières. Et ils sont pratiques. Pratiques, esthétiques, simples, efficaces. Et en plus, ça, ils ne perdent pas leur poil. Donc, que demande le peuple? Pour le moment, je n'achèterai pas du Mac. Je me concentre vraiment là-dessus. Et je compte pas acheter du Mac ou du Make Up Forever pour le moment parce que j'en ai pas besoin et je refuse d'acheter ça, c'est trop cher pour moi. Voilà les filles, dans un petit pot, dans la salle de bain et le tour est joué. Tout simplement. Bisous les filles!